Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cliff Empire, la recolonisation de notre chère terre. Alors, comme les plus observateurs d'entre vous ont remarqué, ça a un peu changé. Ça a un petit peu changé. J'ai joué une demi-heure à peu près, j'ai remodifié certaines choses que je vous montrerai. Mais d'abord. Je sais jamais où c'est. Hop, on va faire une nouvelle fondation pour module. On va pas faire une nouvelle fondation pour module. Enfin, pas à l'endroit initialement prévu. On va faire ici. Voilà. Parce qu'on voit qu'on manque un peu de divertissement. Donc nous allons faire du divertissement. Et on manque également d'habitants, donc on va faire les modules d'habitat. Voilà. Alors, donc comme vous pouvez voir, j'ai retiré quelques éoliennes au profit de centrales nucléaires, mais alimentées par des tours d'absorption d'uranium. Ah, ce sont des vents forts à commencer. Donc plus de nuages, enfin des nuages, donc plus d'énergie solaire. Les éoliens qui fonctionnent à fond et ils veulent des batteries. Ok, très bien. Donc oui, je disais des tours d'absorption qui fourniront l'uranium nécessaire aux centrales, qui remontent aussi un petit peu l'écologie, un petit peu l'esthétisme, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pareil ici. Ici, voilà. Voilà, j'en ai mis 4. Parce que j'ai un peu plus de consommation avec, avec les transports, voilà, ici. J'ai fait une maison de la foi, voilà, qui m'apporte des bonus globaux, ça c'est vraiment sympa. J'ai retiré dans toutes les villes, je crois, peut-être pas ici, les forages, les grosses foreuses. Voilà. Et normalement, je me suis arrangé pour qu'il y ait bientôt les 2000 habitants. Les 1800 habitants. 2800. Oui, je vais y arriver. Donc là, il y a du chômage, là, il y a du chômage, là, il y a... Pas de chômage. On va créer un petit peu d'emploi, alors, juste pour le fun. On a 800. On a vraiment pas mal d'habitants. Là, je vais créer un peu de l'emploi. Quoi, je ne sais pas. Vérifie qu'au niveau de la nourriture, on soit bon. On va faire un verger. On voit qu'au niveau des vergers, c'est pas terrible. En plus, ça apporte de l'écologie et de l'esthétisme. Le verger, c'est vraiment parfait. Oh. Oh, oui. Verger, c'est combien dans notre 4? Ouais, bon, c'est pas des masses non plus. Je pourrais essayer de pomper un peu d'eau, mais ouf. Je pourrais décaler l'université. Ah, je suis désolé là, dis donc. On va prendre un coup là. Station de filtrage. Hop, je vais remettre l'université. Ça vient. La bonus éducation, ouais, c'est pas mal l'école. À l'école plutôt. Voilà, ça donne un bonus éducation. Pas global, mais quand même. Voilà. Plein de choses de faites et qu'elle est bonne. Encore du chômage. C'est terrible ça. On
Attends, j'ai pas assez d'éducation malgré l'école? Ah, ça m'apporte qu'un bon... Ah, ça m'apporte qu'un bonus. On va faire une université hein, juste à côté de l'école, c'est pas illogique, tu me diras. Hop là. Ça va créer de l'emploi. Ça m'a créé pas mal d'emplois, mine de rien. Et là, je vais pouvoir ajouter le dernier module d'habitat. Qui normalement va faire que qu'on va passer à plus de 2800 habitants. Regardez les 800 là. L'augmentation des installations de l'extraction intensive va causer des failles au sein de la falaise. Il est nécessaire de consolider les falaises. Des contreforts rapidement. Ok. Donc ça là. Soutien de falaise. Ah. Ok. Ah oui, tiens, je suis niveau 16. Et si je me trompe pas, j'ai une station géothermique là. Ah, elle est terminée? Ah bon? J'ai mon éco-tour aussi, ma deuxième éco-tour qui était terminée, oui, j'ai oublié de te dire. Apparemment, ma station géothermique aussi. Bon. Là, c'est parti. J'ai combien de soutiens de falaise à faire? Une. Deux. 3. Attends. 4. Oh. Ah, c'est 4 par falaise. 3 à 4 par falaise. Ah, parce que là, on a pas. Oh la vache. Là, on a une. Ah, bah, il y en a 9. Ouais, c'est ça, c'est 3 par falaise. Ah, bah. Ça va tourner, là, les industries, hein, ça. Production là elle va tourner à balle. J'aurais bien aimé en rajouter un hangar d'ingénieur, ingénierie. Mais ben, j'ai pas la place. Un endroit où j'ai 3 cases d'hypo que je n'ai pas. Que je n'ai plus. Je peux même pas le créer. Hein. On va regarder au cas où. Hein. Mais... Nope. Là, j'ai un grand parc ici à la rigueur. À la rigueur... Non, sinon j'ai... le faire ici, hein. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Un garde d'ingénierie. Ah, ça serait bien qu'il soit moins loin. C'est pas grave, allez hop, c'est quoi? On va le mettre là, de toute façon il est temporaire. Et ici, ici aussi, allez, on va en faire 3, voilà, on va vraiment booster l'activité là. Mais là, est-ce que... Je vends pas de batterie. Consommation de batterie. Pourtant le vent il tourne à balle. Puissance de charge. Puissance de charge. Bon là c'est la nuit. Là c'est la nuit et... Et c'est du solaire, donc ça je comprends. Le phare de l'espoir. Putain, les stats que ça donne quand même. Surtout pour l'esthétisme, tu fais une fois, t'es tranquille. On va vérifier les...
réduction des consommations un peu partout là. Sens. Ça, je sais pas. Hein. Putain, par les habitants. Ici, ah, les transports. Les transports ne sont pas bons ici, pour le reste. Pour le reste, c'est bon. Bon, hop, les transports, on va l'aider. Hop, si je me trompe pas, normalement, c'est déjà lancé. Et là. Et là, on est bien. Bon, forcément, on produit beaucoup moins de minerais. Beaucoup moins. On a une station peut-être de forage là? Ouais. Qui est pas terrible, mais qui fait l'affaire. Là, on charge même avec la plateforme de trade. Là, ça nous en consomme à balle. Une fois le portail fermé. Oui, il est fermé le portail, je comprends pas. Je suis en consommation de batterie. Pourtant, j'en ai du d'éolienne de paroi. Et produisent, hein. Oui, si faible le bonus. Il était pas censé être à 5 et des poussières. C'est l'éducation est bien. C'est l'éducation est bien. C'est l'éducation est bien. C'est quand même bizarre. Ah oui, non, j'ai plus investi, donc forcément ça a baissé. Je consomme de la batterie. Ah, c'est dingue. Une place cette énergie là, c'est terrible. Ouais, y a pas moyen de fermer. Hein. Va falloir attendre la construction des falaises. Je suppose que ça fait ça en plus, ouais. Ça. Elles vont toutes sortir plus ou moins en même temps. Ça équilibre. C'est quoi ça? Parce que là, je vois encore des trucs là, mais. Je trouve que ce sera un prochain projet, ça encore. Je sais pas quoi, mais. Ouais, c'est réparti plus ou moins également. Ouais, plus moins que plus, mais. Là, aucun. Après, au moins, on se fait de l'argent. Je sais pas s'il y a un truc qui va en consommer beaucoup ou pas. Ça, c'est 160-180 000. Ça, c'est la taille du bidonio, toi. Je peux peut-être le faire dans une des villes, mais pas plus, hein. Non, pas ici. C'est quand même badass. Dommage qu'on puisse réinstaller ici en vrai. Genre dire, ah bah tiens les mecs, on vous met une petite maison ici, tu vois.
Là, par le plus pur hasard, je peux pas là. On m'expliquer des fois, j'ai du mal à comprendre. Là, je peux. Mais là, je peux pas. Attends, là, je peux normalement quand même. On verra. Trading platform arrived. Même là, je pourrais mettre plein de trucs, genre. De la place, quoi. Dommage. Tétisme, tout ça on est bon. Bon là c'est gris par contre. Je sais pas trop pourquoi. Ils ont besoin d'hôtels, c'est ça? Je sais pas. Mine des minerais? Ah non, elle est en bas. Pendant un instant, j'ai eu peur. Consolider, mais je crois que c'est moche. Je me semble que j'étais arrivé là une fois. Je crois que ça faisait un truc genre vraiment pas très beau quoi. Trading platform arrived. Vendre de l'eau. Bah écoute. Si on est en rab, pourquoi pas, mais. C'est pas dit. C'est une bonne consommation en eau. Attends, ça fait. Dans le jeu, ça fait un an. Un an et 3-4 mois. Qu'on a mis le pied les falaises, et ben dis donc, pour un an et 3-4 mois, c'est quand même bien développé. Il s'en est passé des choses, hein. Il s'en est sacrément passé des choses. Parce que ouais, il n'y a pas de date. Ah, si, là, trading platform arrived. Oh, plus 30% là, ça fait du bien. Oui. Je vais filer quand même pas mal d'eau. Quelques petits échanges, pas grand-chose, mais. Un peu plus ici. Trading platform arrived. Moi j'ai des habitants en tout, on peut pas voir. C'est ballot ça. 2000. Ouais, toujours dans les 2008. Ok, ça marche.
bouffe ici par contre. La bouffe et l'eau, on est bien. On est très bien même. Ça grandit, 29%, 36%. Les stations géothermales, ça fume autant. C'est pas de logique. À la vache. Ouais, géothermie, c'était prendre la chaleur du sol. C'était pas extraire un truc du sol. C'est peut-être trompé. Il y a peut-être une différence entre géothermie et géothermale, je sais pas. À vérifier. C'est pareil, là, au niveau maintenance, c'est limite. Hein. Là, c'est tout pile. J'ai un peu de rage, de marge, mais c'est limite. Hein. Et niveau maintenance, partout, c'est tendu. Hein. Ça c'est le truc classique que j'ai vu, je sais plus où. Avec les centrales, c'est pratique. Une centrale, le tour d'absorption d'uranium. Plus 12 d'écologie, moins 17. Un total de moins 5. C'est pas mal en vrai. Après, je me dis que une fois qu'on aura ça, peut-être que ça nous débloquera de nouvelles technologies. Enfin, je suppose de nouvelles technologies énergétiques. On peut toujours rêver, non? Oh, j'ai de la place ici. Trading platform arrived. En tout cas, pour l'instant, on va pas se plaindre, c'est stable. On a même nos trois villes qui produisent Oui, alors. Lui, il en produit, mais ça part pas. Je vais faire J'ai pas fait ça. Trading platform arrived. Je peux pas en mettre l'un à côté de l'autre. Small construction completed. Donneur, priorité. New task received. Ouais.
est tombé. Ok, plus d'énergie d'éolien. C'est au niveau de la... Non, la maintenance, ça a l'air d'aller. Ça c'est bien en priorité. Hein. Ça, il est pas en priorité, lui. Hop, priorité. Bon, ça devrait régler leurs problèmes tout seul. La mine. Il fait chaud. Ici, il s'en sort bien, il a un petit peu d'éolien. Il n'en a plus du tout. On consomme des batteries à balles. C'est intéressant ça. Parce que si ça, j'arrive pas à le placer. Je vais peut-être placer ça. Là, là ils veulent pas. Trading platform arrived. Building is on fire. Ouais, ça monte bien là déjà. C'est vraiment pas très beau. On a compris. C'est le feu partout. D'ailleurs, c'est cool. C'est combien d'écologie en moins? Moins 2? Bon, au niveau place, ça prend beaucoup moins de place. Au terme, ouais, ça va partir que sur ça. Hein, de toute façon, donc, il va pas y avoir le choix. Trading platform arrived. Building is on fire. Vous savez quoi, ce que je vais faire pour le prochain épisode, c'est que je vais passer le temps de construction de ces machins là. Parce qu'on a pour un moment. C'est chiant. Oh, j'ai une résidence moyenne. Quel est derrière? Elle était bien planquée. Hein. Trading platform arrived. Mais même là? Ah non, mais ça, je viens de le faire, je suis bête. Là, j'ai pas grand chose à faire. À part les bureaux qui rajoutent 0,2 d'esthétisme. C'est la station de filtrage qui a pris feu. C'est dommage. Vous savez quoi, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je le disais, on se retrouvera bientôt pour la suite, mais une fois que ça se sera construit. Les 9 soutiens de Falaise seront construits. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Thierry. Ciao.